ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुम्बन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः च पिता त्वमेव बन्धुश् च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासु वा Quand Swami Ramdev organise une séance collective de yoga, les Indiens affluent toujours par milliers, même à 5 heures du matin. Pendant toute une semaine, ce prédicateur itinérant se produit à Raipur. Après cette ville d'Inde centrale, la prochaine étape de sa tournée le conduira à près de 1000 km de là. Des dizaines de milliers de personnes viennent assister à ses apparitions publiques quotidiennes. Ses émissions de télévision touchent des millions de téléspectateurs. En Inde du Nord, Swami Ramdev est une véritable star. La clé de son succès, des exercices faciles à reproduire. Je vais vous montrer comment pratiquer le Sat Pranayam et les exercices pour retenir sa respiration. Maintenant, regardez-moi. Je vais vous montrer l'exercice encore une fois. Si vous faites cet exercice parmi d'autres et que vous suivez quelques règles, vous ressentirez une sensation de bien-être. Regardez devant vous, expirez et retenez votre respiration quelques secondes. Cet exercice agit comme un massage intérieur. Il est censé stimuler ce qu'on appelle le feu digestif. Après quelques exercices de respiration, le gourou enchaîne avec une série de postures simples, les asanas. Si l'on en croit Swami Ramdev, une pratique quotidienne du yoga peut faire des miracles. Il permettrait de guérir des maladies propres à nos sociétés modernes, comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, l'arthrite. Il aiderait aussi à perdre du poids. La médecine par le yoga a un coût. Pour un stage d'une semaine, à raison de 2 heures tous les matins, il faut débourser entre 15 et 60 euros. Plus on est près du gourou, plus le prix augmente. Selon Swami Ramdev, le yoga permettrait de renforcer l'énergie vitale appelée prana, de stimuler la circulation et d'obtenir la paix de l'esprit. Le yoga n'est ni une secte, ni une religion, ce n'est qu'un art de vivre. Grâce à lui, on peut non seulement contrôler les maladies, mais aussi les guérir une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que des millions de personnes sont attirées par le yoga. Ils y trouvent une solution. La plus grande force du yoga, c'est de pouvoir redonner le sourire et la joie de vivre à des personnes ayant traversé des périodes difficiles. Ce regain d'intérêt pour le yoga fait le bonheur de la Swami Ramdev Organisation, qui vend chaque jour des milliers de livres et de CD. Les médicaments ayurvédiques partent aussi comme des petits pains. Ce yogi doué en affaires a même ouvert sa propre unité de production de produits pharmaceutiques. Près de son ashram de Haridwar, dans le nord de l'Inde, il fait fabriquer pilules et pommades à base de plantes selon des procédés ancestraux. Conséquence de la croissance économique, l'espérance de vie a augmenté dans les grandes villes indiennes. Et la recette proposée par Swami Ramdev, alliant culte moderne de la santé et retour aux traditions, est parfaitement dans l'air du temps. Swami Ramdev Maharaj ki jai. Swami Ramdev Maharaj ki jai. Swami Ramdev Maharaj ki jai.
En Inde, les yogis, les prédicateurs itinérants et les devins sont vénérés depuis des millénaires. Ils ont notamment été immortalisés par ce bas-relief sculpté sur un rocher de Mahabalipuram, au Tamil Nadu. Dissimulé à l'intérieur d'une faille du bas-relief principal, le chemin du yogi vers l'illumination, un chemin qui passe par l'ascèse et le yoga. Ces représentations illustrent les origines du yoga, qui s'est scindé par la suite en différents courants. Elles font penser au sage Patanjali, auteur d'un célèbre traité intitulé Yoga Sutra. Il y a 2500 ans, il a été le premier à consigner les connaissances ancestrales des devins sur des feuilles de palmier. Au total, il distingue 8 étapes sur le chemin de l'illumination. Le contrôle de soi, la discipline, l'assise, le contrôle du souffle, l'intériorisation, la concentration, la méditation et l'extase divine. Les écrits de Patanjali constituent aujourd'hui encore le texte de référence de tous les yogis. Rishikesh, la ville des yogis et des gourous. Située au pied de l'Himalaya et baignée par le Gange, elle charme les voyageurs venus de tous les continents. Différentes techniques de yoga y sont enseignées et pratiquées. C'est de Rishikesh que, dans les années 60, le yoga a entrepris sa marche triomphale à travers le monde. Depuis des millénaires, des pèlerins venus des quatre coins de l'Inde font le voyage jusqu'au Gange. Le fleuve serait la manifestation terrestre de la déesse Ganga. Le simple contact avec l'eau est censé favoriser le salut de l'âme. Les rives du fleuve sacré attirent aussi de nombreux moines itinérants. Ils cherchent à s'élever par l'ascèse et la frugalité et à échapper ainsi au cycle de la réincarnation. Située sur la rive occidentale du Gange, la Divine Life Society est l'ashram le plus connu de Rishikesh. 300 personnes y vivent en communauté spirituelle. La moitié sont des sannyasins, des moines qui ont décidé de vivre au sein d'un ashram et de se soumettre à des règles strictes. Nourriture exclusivement végétarienne, abstinence sexuelle, service désintéressé de la communauté, pratique quotidienne du yoga et de la méditation. Certaines personnes résident ici pour une durée limitée, quelques semaines ou quelques mois. Elles viennent à Rishikesh pour travailler et pratiquer le yoga. Les étrangers aussi sont les bienvenus. Ils en profitent pour découvrir la vie dans un ashram. Swami Sivananda, le maître spirituel le plus célèbre de Rishikesh, a créé la Divine Life Society en 1936. Les photos accrochées dans son bureau sont là pour perpétuer le souvenir de cet érudit, mort en 1963 et vénéré comme un saint. 40 ans auparavant, à l'apogée de sa carrière de médecin, Sivananda décide de devenir moine itinérant. À Rishikesh, il entre dans un ashram où il s'occupe des mendiants et des malades. Il médite tous les jours et traduit les écrits de Patanjali du sanskrit en une langue compréhensible par tous. Son aura attire des élèves de toute l'Inde vers Rishikesh. Aujourd'hui, la Divine Life Society est un centre de rencontre de toutes les grandes religions. Swami Yoga Swarupananda et ses collaborateurs poursuivent l'œuvre du grand maître. Swami Sivananda a résumé le yoga en quatre termes: servir, aimer, méditer et connaître. Le karma yoga, c'est le yoga de la dévotion. Le bhakti yoga, celui de l'amour. Le raja yoga, celui de la méditation. Et le jnana yoga, celui de la connaissance. Il a enseigné le yoga autour de lui pour que les gens le pratiquent au quotidien. Et il en a synthétisé les quatre voies principales en quatre mots tout simples. Awareness on your lower abdomen, the pelvic region. Clockwise movement. Exhale, moving towards right, towards down. À l'ashram, la journée commence par des exercices de yoga. Les débutants s'initient au Hatha Yoga. L'objectif est d'obtenir une meilleure maîtrise du corps et de l'esprit et de créer un équilibre intérieur. As much as possible without raising your leg. Slowly exhale and lower down. Il y a 50 ans, cette forme de yoga a été introduite en Occident par des élèves de Swami Sivananda. En Europe, le Hatha Yoga est devenu synonyme de yoga.
Dans la tradition indienne, en revanche, cette pratique n'est qu'une étape sur le long chemin vers l'illumination. All the toxins from your hip joint, the thigh joint. The thigh joint is getting much closer. Dans cet hospice, se pratique une autre forme de yoga. Refuge pour les exclus de la société, les grands malades et les personnes en fin de vie, il permet aux volontaires de l'ashram de se mettre au service de l'humanité. C'est le karma yoga. Ces femmes ont souvent été abandonnées par leur famille à cause de leur maladie et sont profondément traumatisées. Cette lépreuse a été découverte avec de graves brûlures. Sa famille avait essayé de la brûler vive. Ici, la porte est ouverte à tous les malades, qu'ils souffrent de la lèpre, du sida ou de la tuberculose. Deux fois par semaine, un médecin leur apporte les médicaments dont ils ont besoin. Swami Sivananda avait déjà donné l'exemple et enseigné ce service désintéressé. Se mettre au service des malades, des pauvres et des nécessiteux, c'est la forme la plus simple d'honorer le Seigneur, en étant bon et en faisant le bien. C'est ce qu'on peut faire de plus beau dans sa vie, et c'est ainsi que Sivananda a vécu. Il était la bonté même. D'ailleurs, certains l'appelaient Givananda, parce qu'en anglais, give veut dire donner. Il a donné le maximum dans tout ce qu'il a fait. À 3000 km de là, au cœur de l'Inde du Sud, se trouve le Isha Yoga Center, l'un des ashrams les plus récents du pays. Ici, l'enseignement est dispensé par un gourou charismatique, spécialiste des aspects spirituels du yoga. Ingénieurs en informatique, architectes, médecins, ils sont venus de toutes les régions de l'Inde pour participer à ce séminaire de 10 jours, une introduction aux différentes techniques de méditation. Baptisé Sadhguru Jaggi Vasudev par ses disciples, l'homme maîtrise parfaitement l'art de la mise en scène. Il est une sorte de Bhagwan du nouveau millénaire pour ces Indiens stressés. Désireux de réaliser ce fameux voyage à l'intérieur de soi, les stagiaires se plient à un programme pouvant aller jusqu'à 16 heures de cours par jour. Sadhguru Jaggi Vasudev revient sur les différentes périodes de la vie et sur le rôle du maître spirituel dans la société indienne. Lui-même aurait eu recours à un gourou dans sa jeunesse. Je compare volontiers le maître spirituel à une carte, car il a parcouru des chemins et des sentiers dont le commun des mortels n'a pas l'expérience. Accepter son aide et ses conseils est une attitude sage. Mais la société, avec notre éducation moderne, est devenue individualiste et égoïste. On a honte de demander de l'aide. Je trouve que c'est idiot lorsqu'on erre sur des chemins inconnus sans carte pour se guider. Vous pouvez passer votre vie à chercher ce qu'un maître spirituel peut vous enseigner en 10 minutes. Dans la résidence de l'ashram cohabitent près de 80 élèves et sannyasins. Ils ont fait le choix de vivre en communauté sous la direction spirituelle de Sadhguru Jaggi Vasudev. C'est le gourou qui nomme les sannyasins. Après des années de méditation quotidienne, ils pourront alors vivre définitivement à l'ashram. Ceux qui préfèrent rester élèves reprennent plus tard leur ancienne vie. Chaque résident permanent de l'ashram a son propre programme. Exercice individuel de yoga, de méditation et de respiration, à raison de 6 à 8 heures par jour. Sadhguru Jaggi Vasudev, les sannyasins et les stagiaires partent gravir une montagne située non loin de l'ashram. Tout en haut, au sommet, ils veulent pratiquer la méditation. Un jeune éléphant a marqué son territoire. La prudence est de mise, car les éléphants sauvages n'hésitent pas à piétiner tout ce qui se trouve sur leur passage. Oh,
Les participants chantent des mantras pour faire taire le tumulte de leurs pensées. D'après la tradition, chaque mantra posséderait une énergie mystique, divine, qui se libère par la récitation et influe sur le corps énergétique de l'homme. Chacun se plonge ensuite dans une forme de méditation appelée shunya, qui permettrait de faire table rase de toutes les pensées et de créer un vide intérieur. Il existe une distance entre le soi et nos pensées, entre le soi et notre réflexion, entre le soi et notre corps physique. Lorsqu'on fait l'expérience du shunya, du vide, on se rend compte que notre corps, notre esprit et notre soi sont séparés, qu'on a trois identités distinctes. Si vous faites cet exercice deux fois par jour pendant un certain temps, vous ressentirez cet état même après avoir ouvert les yeux. Lorsqu'on arrive à mettre une distance entre le soi et le corps, entre le soi et l'esprit, c'est la fin de toute souffrance. Les heures précédant le lever du soleil sont les plus propices à la pratique du yoga et de la méditation. Le mantra Aum est le son cosmique originel. Il activerait tous les niveaux de la conscience. Swami Nisarga vit depuis 10 ans dans l'ashram. Il a adapté tout son emploi du temps et son alimentation en fonction des séances de yoga et de méditation. Il espère qu'une pratique régulière de ses activités lui permettra d'atteindre le samadhi, un état que les textes anciens décrivent comme une forme de supraconscience et de délivrance. Pendant la méditation, certaines postures ou certains mudras, gestes rituels des mains, peuvent bloquer la circulation de l'énergie. En revanche, dans notre centre de yoga, lorsqu'on médite, on laisse circuler l'énergie. Ici, vous ne verrez personne tenir de mudra. On adopte des postures propices à la circulation de l'énergie et qui favorisent la méditation. Ça se passe tout naturellement. Il suffit de s'asseoir pour s'abandonner au processus. L'ashram Isha pratique également le karma yoga, le service désintéressé de la communauté. Deux bus de la fondation Isha vont tous les jours de village en village. À leur bord, des volontaires et des médecins. Ils constituent la seule assistance médicale dans un rayon de 50 km. En plus des soins aux malades, Swami Nisarga donne des cours de yoga dans les villages. La consultation est gratuite. En Inde, les maladies infectieuses sont très répandues. Avec les médicaments adaptés, elles sont souvent faciles à traiter. Mais dans les campagnes, une assistance médicale comme celle-ci reste encore exceptionnelle. Selon notre maître spirituel, le yoga peut avoir un impact sur toutes les couches de notre société. Les pauvres luttent chaque jour pour survivre. Il faut donc les soulager. Parce que c'est seulement ainsi qu'ils trouveront le temps et le désir de se consacrer à quelque chose de plus profond. Dans les cuisines de l'ashram, on pratique aussi le karma yoga, le service de la communauté. Le mot sanskrit karma signifie action. Les actions dites justes anobliraient l'homme. À l'inverse,
les mauvaises actions détruiraient le caractère. Un processus qui ne s'arrête pas avec la mort, mais qui influence la prochaine vie, la prochaine réincarnation. Pour familiariser les stagiaires avec la philosophie du service désintéressé, le gourou met ostensiblement la main à la pâte. Lors d'un cours de méditation destiné aux habitants des villages environnants, Swamini Sarga et ses collaborateurs insistent sur les positions des mains. Les mudras ont pour effet d'augmenter la concentration lors de la récitation de mantras. Sur un obélisque à l'entrée du temple de l'ashram, toutes les grandes religions sont représentées. Ce qui les réunit, c'est l'aspiration vers Dieu et la transcendance. Dans la philosophie du yoga, l'aspiration à la transcendance coïncide avec l'ouverture des 7 centres énergétiques à l'intérieur du corps, les chakras. Il existe le chakra racine, sacré, solaire, cardiaque, de la gorge, frontal et enfin, le chakra coronal. Le yoga permet de les ouvrir et de les relier les uns aux autres. L'objectif étant la croissance spirituelle et l'illumination. De nombreux villageois des environs viennent assister à la méditation sonore qui a lieu chaque jour dans le temple. Le point sur le front, appelé Bindu, représente le chakra frontal, appelé aussi troisième œil. Dessiné à la cendre, il rappelle à chaque hindou qu'il doit cultiver son idéal spirituel. Les participants au séminaire de méditation partent visiter un village situé non loin de l'ashram. Pour ces riches citadins, qui appartiennent généralement aux castes supérieures, c'est souvent le premier contact avec la misère du monde rural. Les villageois aussi s'étonnent de cette visite insolite. Sadhguru Jaggi Vasudev a prévu d'organiser un repas de fête. Dans le village, il est vénéré comme un bienfaiteur. La plupart des yogis rejettent le système de caste qui régit depuis 3000 ans les relations entre les Indiens. En son temps, Gandhi s'était déjà élevé contre cette division de la société qu'il considérait comme une entrave au progrès. Au cours du repas, ce sont les étrangers qui servent les villageois. Une belle leçon de karma yoga pour les stagiaires, une situation inhabituelle pour tout le monde.
Bhaktah Sunvanti Divyai Stavaihi Vedai Sangha Padakramo Panishadaihi Dayantiyam Samadaha Jnanavastita. Dans la tradition indienne, la science du yoga et l'hindouisme religieux, tel qu'on le pratique dans les temples, constituent deux courants qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Dans le temple de Chidambaram, dans l'état du Tamil Nadu, on vénère le dieu Shiva, qui aurait un lien avec la tradition du yoga. Symbole de la création, de la protection et de la destruction, Shiva est souvent représenté sous la forme d'un danseur cosmique dont les vibrations se propagent à toutes les formes de l'univers. De nombreux mythes et légendes gravitent autour de sa polymorphie. La danse cosmique de Shiva symbolise le cycle des âges. En dansant, il écrase le démon de l'ignorance et libère le monde. Il est l'un des dieux majeurs du panthéon hindouiste. Selon la légende, le célèbre sage Patanjali aurait assisté à la danse de Shiva, ici à Chidambaram, et en aurait été illuminé. Depuis des siècles, les prêtres célèbrent chaque jour le rituel de l'eau. Ils appartiennent à la caste des prêtres qui veillent au respect du règlement du temple. Chez eux, certains pratiquent aussi le yoga à titre privé. À Chennai, à 250 km au nord de Chidambaram, l'école Kalakshetra des arts et de la danse a pour vocation de faire revivre les arts traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués dans les temples. Ces danseuses doivent s'entraîner tous les jours pendant de nombreuses années, avant de pouvoir reproduire les gestes et les pas des danses classiques indiennes, avec la légèreté qu'on prêtait à la ronde cosmique de Shiva. À l'école Kalakshetra, le yoga fait partie du quotidien. Chaque journée se termine par une séance de yoga d'une heure. Ici, les exercices de respiration sont combinés aux asanas. La prière au soleil est accompagnée du mantra Aum, la vibration originelle du cosmos et de l'existence. Le yoga vient compléter les cours de danse où seul l'aspect esthétique compte. Il aide les danseuses à se concentrer, à entrer en contact avec leur moi profond. Le yoga est aussi utilisé comme une forme de stretching qui aide à conserver l'élasticité des muscles et la souplesse des articulations. Les enseignantes veillent aux moindres détails.
La mégalopole de Chennai, l'ancienne Madras, a connu un développement économique sans précédent au cours de ces dernières années. Le boom de l'industrie des médias et des logiciels a transformé la ville. La pauvreté est moins visible dans les rues. Une nouvelle classe moyenne, cultivée, est apparue. Le Krishnamacharya Yoga Madhiram, une des plus anciennes écoles de yoga de Chennai, profite lui aussi de ce boom. Ici, le yoga a évolué vers une forme de thérapie moderne. Tous les jours, les collaborateurs du centre chantent ensemble leur mantra. Ces yoga-thérapeutes diplômés perpétuent l'œuvre de Krishnamacharya, le célèbre yogi d'Inde du Sud. Ce maître spirituel, décédé en 1989, avait eu l'idée d'utiliser le yoga comme thérapie. Une thérapie où l'individu est pris en compte dans son ensemble. Pourquoi ne réussissez-vous pas à vous endormir ? Je ne m'endors que très tard. Vous devez tout faire toute seule à la maison ? J'ai une aide pour la cuisine et la lessive. Au cours de la première heure de thérapie, Menaka Desikachar prend le pouls de sa patiente. Objectif ? Déterminer la constitution psychophysiologique de son élève. Une méthode qui s'inscrit dans la tradition de la médecine ayurvédique et nécessite une grande expérience. Yoga thérapeute depuis de nombreuses années, Menaka Desikachar se considère comme une conseillère. Ses patients, elle les appelle ses élèves, pour souligner leur rôle actif dans le processus d'apprentissage commun. Après l'entretien, Menaka Desikachar analyse à l'aide de plusieurs exercices de base les problèmes de sa nouvelle élève. Au cours des séances qui vont suivre, elle va élaborer avec elle une série d'exercices individuels qui varieront en fonction du succès de la thérapie. Il faut d'abord chercher à savoir si le problème se situe au niveau physique, mental ou spirituel. Si la tension se situe au niveau physique, on travaillera sur le corps. Si c'est mental, on prescrira des pranayamas, c'est-à-dire des exercices de respiration contrôlée. Si c'est spirituel, on recommandera plutôt des incantations. En fonction du problème, on choisira des solutions adaptées. Juste à côté, la thérapeute Rema Devi accompagne une élève devenue hémiplégique à la suite d'une attaque cérébrale. Il y a 6 mois, cette femme ne pouvait ni marcher ni parler. Vivant seule, elle était en proie à des crises d'angoisse et à une profonde dépression. Les exercices de yoga et les mantras l'ont ramenée à la vie. Stable. Continue. Au dernier étage du centre, on donne aussi des cours de yoga à des élèves trisomiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rema Devi laisse travailler ses élèves pratiquement tout seul. Chose impensable il y a encore 9 mois, quand le groupe a commencé à prendre des cours avec elle. Aucun élève n'était capable de se concentrer. Beaucoup ont appris à parler grâce aux exercices et au chant. Ils étaient renfermés et pleuraient souvent. Ils s'asseyaient à l'écart, dans un coin de la classe, sans participer aux activités. Ils demandaient aussi une attention particulière. On devait les cajoler, les inviter à participer. Maintenant, ils n'ont plus besoin de tout ça. Ils vont s'installer à leur place et commencent le cours tout seuls. Thank you.
Sur les plages immenses du Kerala, des milliers de pêcheurs ramènent tous les matins leurs filets vers le rivage. Les publicitaires ne vendent pas seulement la beauté des paysages du Kerala, ils misent aussi sur le yoga et l'ayurveda. Résultat, cet état tropical du sud-ouest de l'Inde est devenu l'une des destinations préférées des Occidentaux soucieux de leur santé. Sur le marché de Trivandrum, les produits de cette terre fertile sont mis en vente, fruits savoureux ou épices exotiques. Depuis des siècles, le poivre, les noix de muscade, le gingembre, la cardamome sont exportés aux quatre coins du monde. Mais à l'heure actuelle, les Européens et les Américains se passionnent essentiellement pour la médecine ayurvédique du Kerala. Selon les textes anciens, il n'y a rien de tel pour rester en bonne santé et se sentir bien, surtout si elle est associée au yoga. Dans cette petite unité de production, on fabrique des huiles et des pommades à base d'herbes médicinales, d'écorces et de racines. Le docteur Thomas de la clinique Somatheram veille au bon déroulement des opérations. Dans un immense chaudron, on fait cuire les plantes médicinales à feu doux pendant plusieurs jours. Les ouvriers ne font brûler que du bois de cèdre pour que la température reste constante. Près de 150 ingrédients ont été mélangés. Lorsqu'il ne restera plus qu'un quart de la quantité d'eau initiale, le liquide sera filtré et mis à cuire pendant de nombreuses heures dans de l'huile de sésame. On obtient ainsi une huile de massage spéciale qui est censée stimuler l'évacuation des toxines chez certains patients. Une cinquantaine d'huiles, de pommades et de pilules différentes sont fabriquées ici, selon des méthodes vieilles de 3000 ans. Il s'agit d'une médecine naturelle. On utilise des racines, des tiges, des feuilles, des fruits ou des fleurs, ça dépend. Parfois, on fait des décoctions. Mais on n'utilise pas d'extrait. Les extraits provoquent des effets secondaires. Avec notre méthode, il n'y a aucun effet secondaire, parce que la nature fournit toute la protection nécessaire. Toutes les huiles utilisées par la clinique de Somatheram, au sud de Trivandrum, proviennent de sa propre unité de production. Ce patient reçoit un massage à quatre mains, destiné à réduire le stress. La plupart des clients sont européens ou américains et viennent pour une cure de 3 semaines. Le docteur Raman, le médecin le plus expérimenté de la clinique, prend le pouls d'une patiente américaine afin de déterminer sa constitution psychophysiologique. Là aussi, un questionnaire détaillé sert de prélude à la thérapie. On vérifie la couleur des cheveux, les yeux, le nez, la gorge. Ouvrez grand la bouche. Je vois que votre constitution profonde est dominée par Vata et Pitta. Vata, c'est l'air. Il dirige tous les mouvements du corps, mais il contrôle aussi l'esprit. Pitta, c'est le feu. Votre corps subit actuellement des changements à cause de Pitta. Le docteur Thomas explique le traitement, qui se compose de médicaments ayurvédiques, de massages divers et d'un régime spécifique. Les soins sont définis en fonction de la constitution de chaque individu. Le dhara fait partie de la thérapie. Il apaise les personnes souffrant de maux de tête et d'insomnie. Sur 15 jours, l'organisme évacue progressivement ses toxines. Le yoga et l'ayurveda s'exportent particulièrement bien. Une synthèse des deux est proposée dans ce séminaire international organisé à Mahabalipuram, au sud de Chennai. Parmi ces participants déjà expérimentés, on trouve notamment des médecins, des physiothérapeutes et des psychologues. Ils ont fait le voyage depuis l'Australie, l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Après la séance de yoga du matin, il se forme à la yoga-thérapie auprès de Ajay Moham et de sa femme Indra.
Les deux thérapeutes sont des disciples de Krishnamacharya. Ils ont ajouté un soupçon d'Ayurveda à la yoga-thérapie individualisée prônée par le célèbre yogi de Chennai. Leurs livres, publiés en anglais et en allemand, sont lus dans le monde entier. En prenant l'exemple d'Isabelle, qui se plaint de douleurs au poignet et de problèmes de peau, Indra Mohan énumère les détails à prendre en considération dans le cadre d'une thérapie alliant yoga et Ayurveda. Le travail sur l'expiration permet d'améliorer le fonctionnement de l'appareil digestif et par ricochet, d'atténuer les problèmes de peau. Le quotidien du patient, son alimentation ou le stress lié à sa profession font également l'objet d'une analyse. Un programme sur mesure, comprenant des postures spécifiques, doit aider Isabelle, graphiste, à mieux gérer ses journées devant l'ordinateur. Sa thérapie prend forme, un peu à la manière d'un puzzle. On doit s'assurer que la personne se sent bien tant au niveau physique que psychique et qu'il n'y a pas de problème au niveau physiologique. Les asanas et les pranayamas agissent sur le physique et le psychique. L'Ayurveda, elle, régule le fonctionnement physiologique. Quand on associe ces méthodes, cela permet à la personne de retrouver son équilibre. L'un de nos plus gros problèmes, c'est la tête, toutes ces pensées qui la traversent. Quand nous prenons 5 minutes pour faire une pause, on pense aussitôt à une multitude de choses, à ce qu'on doit faire, à ce qui nous préoccupe. Le yoga aide vraiment à déconnecter, à lâcher prise plus facilement. Channo Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Vameva Pratyaksham Brahmasi Vameva Pratyaksham Brahmavadisham Ritamavadisham Satyamavadisham Om.